tu m'aimeras toujours. Dis-moi tout bas, que c'est moi qui serai toujours ton seul amour. Viens me le dire à l'oreille. Toujours ton seul amour. C'est un secret qu'il faut garder. Quand on est trop bavard, on peut le regretter. Il y a tant d'envieux et tant de jaloux qu'il est bien plus prudent que ça reste entre nous. Viens me le dire à l'oreille que nous sommes fiancés. Viens me le dire à l'oreille que nous serons bientôt mariés. Qui serait toujours ton seul amour. Dis-moi tout bas, que c'est moi qui serai toujours ton seul amour. Ah oui, viens me le dire à l'oreille. Un petit truc pour merci, toi. Oui, ça c'est, le, c'est l'accessoire d'usage, bien sûr. Mais dis donc, c'est pas du tout une tenue pour laver les voitures, ça. Ah, d'où sors-tu ? Charmé sport d'hiver. Oh, non, simplement, simplement. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Tu travaillais ? Je travaillais, je prenais des vacances en même temps, enfin 3 jours seulement. Et tu étais avec qui là-bas ? Avec Claude François, Lucky Blondeau, Monty ça, et Michel Gogoni. La fine équipe, t'es bien amusé ? Ah oui, on s'est très très bon, bien amusé. Bon, alors les projets après cette petite escapade en montagne ? Eh bien, je rentre à Paris ce soir pour préparer oui. un nouveau disque qui sortira à la fin du mois. Et je pars en tournée avec Claude François en Belgique. En Belgique ? Oui. Bon. Et tu as fait maintenant, attends, 1, 2, 3, 4 disques, je crois. Je vais préparer, je prépare le quatrième. Tu prépares le quatrième, oui, mais tu espères que ça marche aussi mieux que les autres. Il n'y a pas de problème, en ce qui te concerne. Bien sûr, j'espère. Bon, et bien, écoute, tu vas maintenant nous rendre un petit service, tu vas parrainer quelqu'un. Tu ah sais que oui. dans l'émission, on fait toujours ici, on fait une sorte de petit tremplin, de banc d'essai, des ouais. jeunes de la région qui veulent se produire, qui veulent se montrer. Alors, oui. Il y en comment a un aujourd'hui. Attends, il s'appelle comment Jean... Jean-Paul Tristan. Voilà, ah, Jean-Paul Tristan. Voilà, alors on écoute Jean-Paul Tristan. D'accord.